Marcel Viper, le maréchal de la brigade qui sorcier. Elles sont pièces, on est plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, on acclame Jésus. Merci beaucoup. Nous allons dire amen. Voilà juste le temps que la fanfare se retire. Nous allons ensemble dire merci à Jésus pour son serviteur qui l'a gardé sain et sauf. Merci pour son retour. Merci pour tout ce qu'il a fait pour lui durant tout
son séjour aux États-Unis. Ensemble, nous allons prier et nous allons rendre gloire à Dieu. Oui, prions ensemble et disons merci à l'Éternel pour son serviteur qui l'a gardé, pour son serviteur qui l'a accompagné lui-même aux États-Unis et qui l'a ramené sain et sauf sans aucun souci. Prions ensemble et élevons la voix et rendons toute la gloire à Dieu. Prions ensemble. Nous voulons te dire merci pour la vie de ton serviteur. Merci Père, parce que c'est toi qui l'as accompagné et qui l'a ramené sain et sauf. Nous te bénissons Seigneur Jésus. Merci pour son séjour que tu as protégé toi-même éternellement Dieu. Merci Père d'avoir été le pilote, le chauffeur de tous ces déplacements Seigneur. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que tu peux faire du bruit pour son serviteur, le serviteur de l'Éternel, Jésus? Est-ce que tu peux faire du bruit encore plus fort? Yeah, yeah, yeah! Avec une forte acclamation de recevoir le maréchal de la brigade du sorcier, le docteur de Christ. Encore plus fort, Jésus. Encore plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Ziliwa, 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 ziliwa
Sur le petit. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Je suis très heureux de vous revoir par la grâce de Dieu. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Seigneur, je te rends toute la gloire. Merci. Tu permets que je foule encore le seuil de cette église. L'endroit, le lieu où tu m'as affecté en tant qu'ouvrier de cette œuvre. Toi, tu es mon employeur.
Tu m'as fait voyager et tu m'as ramené dans ta grâce. Et revois encore tes brebis. Et merci pour cette rencontre ce matin. De permettre que je prenne la parole selon toi et de m'inspirer dans le nom de Jésus. Que j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis très heureux de vous revoir. Très heureux de vous revoir par la grâce de Dieu. Pratiquement, je crois, deux mois d'absence. Je suis parti un 6. Voilà, un 6 mai. C'est 6 mai. C'est 6 juin. Un 6 juin. Je suis arrivé un 6 mai de la France et je suis parti un 6 juin. Voilà, donc j'ai fait juin, j'ai fait juillet. Je suis arrivé pratiquement en fin. Moi, je suis arrivé le 27 juillet. Voilà, le 27 juillet. Voilà, donc c'est seulement quelques. Pour dire à Divo, ça fait pratiquement deux mois qu'on ne s'est pas vu. Dieu m'a fait la grâce de revenir. Et ça a été l'un de mes meilleurs voyages. C'est vrai que j'ai vécu un moment merveilleux en Europe lors de ma tournée européenne. C'était tellement organisé, tellement bien fait, que ça disposait beaucoup de choses sur le plan international. Je suis arrivé à Washington DC, je crois le 7, parce qu'ici pratiquement c'est 24 heures pour arriver aux États-Unis. Nous prions Dieu pour qu'on ait une ligne directe, parce que même le Togo a une ligne directe, le Ghana a une ligne directe, le Sénégal a une ligne directe. C'est épuisant de faire 24 heures. On peut faire 8 heures, 7 heures du temps en avion des États-Unis chez nous. Mais on est forcément obligé de passer par la France. De la France, on prend qu'un autre vol, c'est fatigant. Voilà. Donc je suis arrivé le 7 juin à Washington, Dallas. Donc je continue dans le Maryland. Où j'ai séjourné dans le Maryland, j'en profite pour dire merci à Dorine Osso et à toutes ces filles qui organisaient, n'est-ce pas, ma venue au niveau de l'Amérique. Laurence depuis le New York et en même temps Béatrice depuis le Texas et précisément Dallas. Ce sont ces filles qui sont mises ensemble pour, n'est-ce pas, cotiser pour que le prophète prenne son billet d'avion pour venir, n'est-ce pas, pour cette croisade. Et après ça, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont ajoutées dans cette tournée. Après ça, je suis, n'est-ce pas, allé au Texas, où je vais commencer un programme. Je suis allé, d'abord je suis arrivé en Union africaine, et j'en profite pour dire merci à Dosso, monsieur et madame Dosso, et en même temps Méité et toute la, n'est-ce pas, cette chaîne de télé, Afrique Vision Nouvelle, cette chaîne de télé qui m'a accompagné dans tout mon programme. Voici un monsieur qui est musulman, il est musulman engagé, c'est-à-dire, si on peut dire, peut-être qu'il est musulman ou il est les imams. C'est-à-dire qu'il ne rate pas ses heures de prière. Allah, Kubaro, Mamadola, Sola, il laisse pas ça. Chaque moment, il prie. Donc, le monsieur, il voit en moi un homme de Dieu. Vous savez, parce que nous croyons tous en Dieu. Il voit en moi un homme de Dieu, n'est-ce pas, qui fait du bien aux gens, qui n'est pas agressif. Au moment où les gens ont peur des sorciers, lui, il les attrape, parce qu'il faut les attraper. Et puis, la nevelette, donc, il mange, vient de l'homme, et puis, il les délivre. Amen. Et c'est vrai, parce qu'il est désactivé, le don. Donc il m'a suivi tout ce temps. Il m'a suivi et puis il a vu. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. C'est très important. Il n'est pas chrétien, il est musulman, mais il faut avoir le discernement. Il y a ce qu'on peut dire et puis c'est ce que toi-même ton cerveau dit. C'est pas tout qu'on avale. On a cette capacité, on allait tous à l'école. Bon, si même tu n'es pas allé à l'école, tu sais distinguer 100 francs de 25 francs. Ou bien amen. J'ai dit aux gens, même si on n'est pas là à l'école, mais bien l'argent, on ne peut pas nous tromper sur ça. Jamais. Donc ça dit la vérité, on ne peut pas te tromper sur la vérité. Tu as la capacité de réflexion. Cette capacité-là, on ne faut pas qu'on te blague là-dessus. On peut ne pas aimer Crasso. Donc on peut dire tout ce qu'on veut du prophète Crasso. Mais toi, quelles sont les recherches que tu as menées pour faire toi ta conclusion? Il ne faut pas dire, ah, voici ce qu'ils ont dit. Voici ce qu'ils ont dit. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? C'est ça. Qu'est-ce que toi tu dis? Quelle est ta conclusion? Parce que c'est pas tout le monde, et puis je suis pas obligé que tout le monde m'aime. Si tout le monde m'aime, c'est pas bon. Non, mais c'est même pas bon d'ailleurs. Il faut qu'il y ait mes ennemis pour que je sois bien. Amen. Quand tu as des ennemis, c'est bien. Par moment, il faut qu'on t'insulte, c'est bon, ça aide.
Ça nous réveille par moment. Même si on ne pouvait pas gêner, on commence à gêner. Quand il y a les attaques, on dit bon, on laisse tout. Les tricrites, les sangres, il faut qu'on jette. Pourquoi c'est moi seul? On attaque dans tout le monde. Dieu, j'ai fait quoi? Petit jette, Seigneur. Dieu dit, ah, tu mangeais, tu as gêné maintenant. Donc, vous voyez, tu n'es pas, on n'a pas, tu n'es pas, les gens ne sont pas obligés de m'aimer. Tout le monde n'est pas obligé de m'aimer. Surtout que je combats les œuvres du diable. Donc, les enfants de Satan, c'est normal. Si 10 hommes, vous allez voir, il va y avoir 3 enfants de Dieu, véritables enfants de Dieu. Les 7 sont enfants de Satan. Parce que le diable, il infecte tout le monde. Et la plupart sont les enfants du diable. Et nous, nous dénonçons les œuvres. Donc, le monsieur qui était musulman, il prend la peine de regarder ce que j'ai fait. Parce que lui-même, il a une chaîne de télévision. Ce n'est pas maintenant. Donc, il sait ce qui est vrai et montage. Il sait. Et quand je suis rentré dans le Mérinel la dernière fois, c'est lui qui a commencé à regarder. Il a commencé à me pistonner déjà au niveau de l'ONU. Il a commencé. Ma première sortie à l'ONU, c'est le monsieur Dosso, Afrique Vision. Donc, j'ai commencé à discuter. Vous dites, le prophète est un homme. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui manage. C'est-à-dire, il vous dit, est-ce que vous avez vu le monsieur, ce qu'il fait? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Donc, le monsieur dit, regardez ce que le monsieur est en train de faire. Puisque lui, un monsieur de visuel, et ça a attiré l'attention des Américains qui ont commencé à regarder pour dire, mais attends, c'est vrai ce que tu dis? Voilà, donc, il a commencé, les gens commençaient à voir un peu le travail que je faisais. Ils ont commencé à m'inviter. Donc, je suis allé à l'ONU, on a échangé ensemble. Il y a des choses privées, je ne vais pas vous étaler ça. Et j'ai compris qu'ils m'ont même dit, quand vous rentrez ici, dans cette cour-là, ce n'est plus les États-Unis, c'est un autre État. Voilà, et puis ici, pour entrer ici, on a peut-être un mois, on check sur toi, on cherche à savoir qui tu es. Parce que pour aller même voir la statue de la liberté, qu'on voit comme un monument qui caractérise New York, c'est un mois. Quand vous faites la demande, on check d'abord si votre identité, qui vous êtes, avant de vous dire, c'est validé, allez-y voir la statue de la liberté. Donc, à plus forte raison, l'ONU, ça dit c'est beaucoup de protocoles. Ok? Donc, ils m'ont bien fait entendre, vous dire, on a vu. Et puis, on sent en toi quelqu'un qu'on doit aider. Ok? Donc, on a discuté et je devais revenir encore cette année par la grâce de Dieu. Et du coup, il y avait une grande journée de l'enfant africain. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on ne sait même pas. Les gens font ça, non, on sait même pas. La journée de l'enfant africain. C'est un tueur là-bas aux États-Unis, c'est prendre un tueur. Mais c'est vrai, on ne sait même pas. Ok. Donc, on m'invite, le même monsieur m'introduit près de l'Union, l'ambassadeur de tous les pays africains de l'Afrique à New York. Donc le monsieur dit, mais pourquoi tu parles d'un prophète et puis toi tu es musulman? Il dit, non, ce n'est pas question de prophète. Le monsieur, il est bon. Amen. Le monsieur, il est chrétien. Il dit, mais attends, tu m'amènes à savoir qui est le monsieur parce qu'il est bon comment? Donc le monsieur dit, donne-moi ce qui t'a convaincu. Et le monsieur est passé, il a fait toute une nuit sur l'ordinateur en train de regarder ce qu'il est en train de faire. Et ce que je ressortais, parce que j'avais un objectif, parce qu'il ne faut pas parler, parce qu'il faut parler. J'avais un objectif, j'amenais les gens en Afrique, venir en Afrique, la sorcellerie, croyait en Dieu. Ça, d'abord, ça l'interpellait. Voilà, ça l'interpellait. Au moment où les gens disent non, donne des révélations, tu es en France, il ne faut pas aller, les gens vont te tuer en Afrique. Moi, j'ai dit aux gens, croyez en Dieu. Si vous venez en Afrique, Dieu, si vous croyez en Dieu, Dieu va vous protéger. Parce que celui qui croit en Dieu, il est sous la protection de Dieu. Donc, déjà, ça l'interpellait. Et puis d'abord, tu vis où? Il a vu que je vivais en Afrique. Et ce n'est pas à Abidjan, je vis à Divo. Donc, déjà, il a commencé. Je n'ai pas une grande église. Donc, il a commencé à prendre mon affaire en sérieux. Il a commencé à checker. Et puis, il tombe sur l'orphelinat. Il tombe sur les anciens. Il a commencé sur les anciennes vidéos où j'ai commencé. Et puis, progressivement, ce que je suis devenu aujourd'hui. Il a dit, lui-même, il a pris le téléphone. Il dit, je le reçois en audience à 16h. Amen. Il dit à 16h, donc moi-même là, je suis là, ma chérie, je suis venu du Texas, d'abord je suis allé au Texas, je suis descendu en Atlanta, je prends mon avion, je descends, on m'appelle pour dire, l'ambassadeur dit, juste après la conférence, tu es reçu en audience à 16h.
Je n'ai pas vu un peu l'ampleur de la chose, j'étais fatigué. Ils sont venus me chercher à mon hôtel, ils m'ont envoyé, tous on a suivi. Mais ils ont mis, le point où ils ont mis, c'était privé, 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 privé. Et puis ils ont mis tous ambassadeurs, ambassadeurs, ambassadeurs. Donc la table. Et moi, je ne savais pas où m'asseoir. Donc ils m'ont attrapé pour dire, assieds-toi là. Je trouvais ça un peu bizarre. Et puis le gars est venu, il a vu un peu mon regard, il dit, oui, si, t'assois là. Ok. Et puis, ils m'ont reçu, ils m'ont parlé, moi, tranquille. Parce qu'ils avaient, non, ils savent qui doit s'asseoir là. Donc, ils ont regardé le nom de tout, c'est pas les choses qui s'improvisent. Ils savent tout ça. Et puis, du coup, je vois l'ambassadeur du Burkina, je vois l'ambassadeur du Nigeria, je vois l'ambassadeur, tous les ambassadeurs autour de moi. Et je vois Mme Kader, c'est une des responsables de tous les ONG qui s'occupent des enfants dans le monde, qui est venue s'asseoir près de moi. Maintenant, elle me demande, Excellence, j'ai dit oui, madame. How are you? I'm speak French, please. C'est moi, je parle français. I'm speak French. What? Yeah, I'm Frenchman. Bad, I'm Frenchman. OK. Elle dit, elle a commencé à parler. Elle dit, vous êtes ambassadeur de quel pays? De quel pays? Je dis, je suis de Jésus-Christ. Chacun a son ambassade. Qui est malade? Moi, il dit quel pays? C'est ça, c'est le seul pays, collègue. C'est le seul pays qui m'a envoyé ici. Donc, elle comprend, elle dit. Vous dites, j'ai dit, ah, c'est ce que vous avez entendu. Donc, elle a, je sais qu'elle n'a pas compris. Elle m'a salué, excellent. Tout ça, elle dit, mais attends. Elle a rapproché sa chaise. Et puis, elle a dit aux gens, prenez les photos. Elle a pris des photos, moi. Elle dit, je ne sais pas, mais j'ai envie de t'aider. J'ai l'impression que j'ai envie de t'aider. Je dis, moi, je viens West Africa, Ivory Coast. Je suis de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, elle dit, mais vous êtes venu. Je dis, oui, je suis là, juste en tournée. Elle aussi, elle dit, mais reçoit à 15h. Ils ne sont pas entendus, hein? Elle me reçoit à 15h, l'autre me reçoit à 16h. Attends. Maintenant, on court pour dire à mon oreille, tu sais à qui tu as fait, là? J'ai dit, non. On dit, celle-là, elle peut t'ouvrir les portes dans le monde. Donc, du coup, moi-même, je redresse ma chaise. J'arrête. Qui est malade? Je ne vais pas mal me comporter, donc j'arrange. Je la regarde, on parle. Dans mon sérieux maintenant, bah, je commence à considérer ce qui est devant moi. Donc c'est elle maintenant qui s'intéresse à moi. Elle me dit, mais attends, est-ce que tu vas venir? Vous comprenez? C'est elle qui me demande, est-ce que je vais venir, j'aurai le temps. Tout ça, j'ai dit oui. Vous savez, quand Dieu commence à te bénir, il n'y a pas à faire. C'est-à-dire, si tu n'es pas encore arrivé, c'est que Dieu t'a pas permis que tu arrives. C'est tout. Mais si Dieu veut, personne ne peut empêcher ça. Personne ne pourra empêcher ça. Donc on finit. Moi j'interviens sur le plateau de l'Union africaine. Ils m'ont dit à l'oreille, ils disaient que tous les présidents africains, là où tu es assis là, c'est là-bas à la salle, ton président s'assoit pour parler. C'est là-bas, tant c'est pas pour parler. Donc, je sais que le monde entier est en train de m'écouter. Et puis, je parle de Divo. Les gens n'ont jamais, ils ne savent pas qui est, qu'est-ce qu'est Divo. C'est moi qui ai commencé à parler de Divo. Et j'ai demandé, j'ai parlé, j'ai dit, mais est-ce que vous savez que j'ai une injustice dans le monde où les enfants africains ne sont pas aidés? Alors, ok, moi je viens justement pour quelque chose. J'ai une chose dans la tête, je sais qu'une chose, que l'Afrique est le continent de l'avenir. Personne ne peut ignorer ça dans la salle. Depuis que j'ai commencé à parler de mon expérience, ça commence par l'éducation, comment les enfants des Arocs ont été renvoyés de l'école, et comment moi-même je me suis mis dans la chose, à partir de cette histoire, des 30 enfants des Arocs qui ont été chassés. Moi, j'ai payé leur inscription. J'ai commencé à maintenant me rentrer dans l'histoire de la prise en charge des enfants de scolarisés. J'ai commencé par Arocs, et ça les a vraiment interpellés. J'ai dit, c'est à fond propre. Je n'ai pas demandé de l'État. Je ne fais pas une demande au maire, ni au préfet. Non, ça fond propre. On peut le faire, c'est une question de volonté. Donc, j'ai commencé à expliquer. Mais là, Myriam dit, mais je comprends pourquoi j'ai commencé à t'aimer. Elle m'a salué. Elle m'a serré dans ses bras.
Elle a appelé son mari qui s'occupe de la paix. C'est-à-dire que lui, c'est un grand militaire dans le monde. C'est lui qui décide des sorts dans les nations. Elle a appelé M. Kader. Viens, on va recevoir quelqu'un. C'est un Algérien, ce monsieur. Elle est Libanaise, son mari est Algérien. Donc, elle est musulmane aussi. Et donc, ils m'ont reçu. Et puis, on a parlé de beaucoup de choses. Il y a des choses que je n'ai pas dit devant la caméra, vous comprenez? J'ai trop de jaloux maintenant derrière moi. C'est fou de moi. Donc, on a parlé de beaucoup de choses. Et puis, bon, on s'est séparés. Et puis, après, on s'est vus. Voilà, on s'est vus. Et puis, il y a des choses qu'on doit remplir. Parce que moi, j'ai un combat. Hein. J'ai rêvé. Moi, mon rêve, c'est de voir des enfants là à l'école. Et puis, j'ai commencé. Il faut commencer. On a commencé. Et puis, n'est-ce pas, Dieu est en train de nous aider à avoir des portes d'ouverture de portes. Parce que nos enfants doivent aller à l'école pour que la Côte d'Ivoire ait, n'est-ce pas, soit demain plus fort. Parce que l'Afrique ne pense pas à la relève. C'est-à-dire que nous, quand on se lève matin, on ne pense pas que l'enfant peut devenir grand demain, on l'ignore. Or, ignorer un enfant, vraiment, c'est détruire toute sa vie. Nos parents, quand ils se lèvent, sont malades. Est-ce que tu peux trouver quelqu'un pour vendre mon champ de cacao? C'est-à-dire, lui, il veut mourir, mais en même temps, le champ de cacao ne doit plus exister. Sa maison doit, on doit vendre sa maison. Maintenant, vous-même, vous débrouillez hein, pour réussir dans la vie. Non. Tu nous as mis au monde, mais il faut en même temps nous assurer notre bénédiction. Donc, j'ai tout ça qui a fait que j'étais en train de me battre. Parce que j'ai certaines réalités. Il y a certaines réalités qu'on ne doit pas ignorer. Cette histoire de l'éducation. Parce que c'est à partir de l'éducation qu'on a le savoir. Les Blancs ne jouent pas ça. C'est ce qui est en toi, c'est ce qui leur intéresse. La connaissance. Ils préparent déjà les enfants. Ils préparent déjà les enfants à des grandes connaissances. Donc les gens cherchaient à voir quelqu'un comme ça. J'ai échangé avec elle. Et puis après ça, quand on a fini, on est reparti. On a reparti faire nos programmes et tout ça. Donc j'avais déjà des rendez-vous, senior, puis tout ça. Pour l'ONU. Voilà. Et puis, je vois sur Internet, ils sont en train de m'insulter. Moi, je n'ai pas encore vu. C'est les gens même qui m'ont interpellé. Ce qui m'a plus intéressé, c'est les gens même de l'ONU. Parce qu'il y avait la FBI qui était en train de suivre. Moi, mes activités, la FBI qui est en train de me suivre, qui est en train de tuer. C'est toi qui m'a interpellé pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ont vu, ils ont dit, mais pourquoi les gens sont méchants comme ça? Pourquoi ils disent des choses de méchants sur toi? Parce qu'on voit, les Blancs ne sont pas bêtes. C'est nous, les Noirs, qui sont bêtes. Excusez-moi pour l'expression. C'est nous, on avale les choses sans réfléchir. Les Blancs, quand ils parlent mal de quelqu'un, ils cherchent à savoir le contenu de l'information. Ils cherchent à savoir le contenu. Donc, j'ai vu le contenu. C'est ça, mec, qui a précipité rapidement mon entrée sur l'ONU. On attendait ça. Donc, du coup, les gens ont dit, OK, voici ce que les gens disent. Mais pourquoi ils sont méchants comme ça? Pourquoi tu leur as fait quoi? Et puis c'est des individus et tout ça. Bon, heureusement que nous autres, on essaie de régler. Parce qu'aujourd'hui, frère, il ne faut pas jouer à l'image de quelqu'un. Si tu veux faire le buzz, il faut faire ton buzz. Tu veux faire ton buzz, fais ton buzz. Il ne faut pas jouer à l'image de quelqu'un. Parce qu'eux voulaient me nuire. C'est-à-dire qu'ils voulaient me nuire. Jusqu'à me dire, ah, le prophète a le sida. J'ai vu ça sur Internet. Le prophète, c'est un voleur. Moi, voleur, sida, depuis quand? Si j'aimais l'argent, j'ai fou quoi dire aussi. J'ai fou quoi dire aussi. Vous savez que les gens que moi je rencontre aujourd'hui, j'ai fou quoi dire aussi. Tranquillement, je prends ma valise, je suis quelque part. Tranquille. Donc les gens ne sont pas bêtes, ils ont réfléchi. Vous savez même qu'on veut même rentrer à l'ONU, on check même le sang des gens. Oui, les gens, à partir de ton sang, ils peuvent savoir d'où tu viens, dans quel pays. On fait sortir, quand tu rentres là, ils ont déjà tout sur toi, et puis on fait sortir ta carte d'identité, ta pièce sort. Bah, c'est ce que tu plaques ici. Ceux qui m'ont vu ici, l'ONU, ils ont plaqué ça ici. C'est sorti sur l'ordinateur, j'ai mis ça ici. Et puis, ils avaient toutes les informations sur moi. Tous ceux qui m'ont appelé durant 2 ans, ceux qui étaient réguliers à m'appeler, ils avaient déjà toutes leurs conversations. Toi, la CIA, la FBI, toi tu joues avec eux. Parce qu'il y avait quelque chose que les gens étaient en train de faire. C'est moi. Ils m'ont appelé pour dire, mais attends, tu connais tant, oui. Tu connais tant. Les gens là, s'ils veulent que la guerre s'arrête, ça va s'arrêter. Ils savent tout ça.
Tu l'as, hein? Ne dis pas à quelqu'un, oh, tu mens. Hein? Tu drames la femme de quelqu'un. Ils connaissent, ils savent ça. Ils t'insignent, mais ils pensent qu'on n'a pas compris. Ils ont tout compris. Tout téléphone qu'on voit là, c'est des outils d'espionnage. Ils ont toutes les informations. C'est après tout, ils ont dit, mais attends, ils sont venus me chercher, m'appeler. Ils ont dit, tu dois aller à l'ONU. Oui, oui. Paf, paf, on m'apprête. Je pars à la francophonie. Je suis francophone. Donc je pars à la francophonie. D'abord, on s'organise. L'Union africaine. On m'organise, on m'escorte jusqu'à l'ONU. Moi, je me dis, mais attends, c'est un rêve ou bien c'est une réalité? Donc, je rentre dans la salle, on est en train de parler du développement de l'Afrique à l'euro 2000, c'est-à-dire l'horizon 2030, c'est-à-dire comment l'Afrique doit se développer. Maintenant, on est revenu sur quelque chose. Si l'Afrique doit se développer, que nos enfants qui naissent là, ils n'ont pas déjà l'éducation, l'Afrique se développe comment? Parce que les gens, au-delà de la religion, je crois en moi-même, je crois en Jésus, au-delà de ça, il y a des réalités en Afrique, la faim, la pauvreté. C'est de ça qu'on devons débattre. Que d'insultes. Il y a tellement de sujets pour lesquels nous devons nous battre. Et les gens ont vu que le prophète en se bat. Ils m'ont demandé, mais ça avec quel fond? Je leur explique, ça fond propre. Ils ne croient pas. Ces enfants sont tes enfants? Non, ce ne sont pas mes enfants. Pourquoi? Parce que je leur ai expliqué, je suis moi-même orphelin. Mon rêve, je suis en train d'accomplir un rêve. Et mon désir, c'est de voir des cadres en train de faire développer. Parce que l'Afrique doit se développer. Les Chinois veulent acheter l'Afrique. Les Américains veulent acheter l'Afrique. L'Europe veut acheter l'Afrique. Parce qu'ils savent qu'il n'y a plus de place. Il n'y a même plus d'espace à New York. Tout c'est sur l'eau. New York met à tirer de l'eau. Les gens cassent les buildings. Ils construisent sur les buildings. Il n'y a plus d'espace même en Europe. C'est l'Afrique. Les ressources minières africaines sont les meilleures au monde. Mais écoutez, mais la relève, c'est quoi? On ne pense pas à l'éducation. Et c'est ce que les gens veulent. Donc on a, moi, j'ai fait mon exposé, j'ai parlé. C'est vrai qu'il y a la sorcellerie, qui est le mal de l'Afrique, qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres sont mangés. Mais et après, il y a la relève. Et doucement, c'est de tout ce qu'on essaie de parler. Et puis, on dit, il faut que toi, tu sois... Ce que tu dis, là, est tellement vrai. Que si on t'aide aujourd'hui, tu vas apporter beaucoup de choses dans le monde. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est comme ça. Vous savez, on ne peut pas cacher le soleil avec sa main. La vérité là, ça ne se cache pas. Pendant que les gens tiennent m'insulter, les minutes, les semaines qui ont suivi, paf, je suis rentré tranquillement. Moi, je sais ce qu'on a dit, parce que c'est des choses qui sont souvent privées. Je sais quelle est l'information que j'apporte. Je reviens des États-Unis avec un cœur très joyeux parce que je pense que je peux être utile à ma nation, à mon entourage. Dans la vie, il faut apporter un plus. Il ne faut pas être là toujours en train de gâter. Il faut toujours aider les gens. Il y a mieux à faire que de gâter. Il faut aider les gens. Maintenant, si tu ne peux pas aider, il ne faut pas gâter. Tu peux mettre tes têtes, il ne faut pas gâter. Ok, donc c'est ce qu'on essaie de faire. Comme on cherche, on ne pense pas pour nous-mêmes. Si j'ai pensé à moi-même, aujourd'hui, je ne serais même pas chez vous. Là où je suis arrivé, je sais que je suis arrivé. C'est-à-dire, moi-même, là, quand je suis descendu encore du bois, puis j'ai regardé la réponse, j'ai dit, ouais, je suis arrivé. Avant, c'est de l'à peu près, maintenant, là, voilà, je suis arrivé. Parce que je peux appeler des numéros et puis on peut me répondre tranquillement sans problème. Amen. Donc le combat est en train de payer par la grâce de Dieu. Mais Amen. Je suis parti de Divo, dans la brousse. Je suis un bledard, je suis un villageois. À New York, je chauffe, je couche, je mange. Au moment où pour courir derrière pour ça, moi je chauffe, je couche, je mange. Mon histoire, c'est l'Afrique. Personne ne peut m'enlever ça dans la tête. Moi, je me bats. Pour, n'est-ce pas, la délivrance. D'abord, avant de voir tout ça, le Seigneur me montre un rêve. Dans le rêve, j'étais en train de conduire une voiture et la voiture tombe en panne et je me plains, je sors de la voiture et puis du coup, on vient porter la voiture et puis on me change la voiture, on me dit c'est ta nouvelle voiture. Amen. Et puis l'ancienne voiture, elle est partie.
Ce rêve-là, il a dit ça plus de 3 fois. Jusqu'à ce que certaines choses se passent. Pour dire que Dieu vous bénisse. Amen. Je n'ai pas. Moi, j'ai dit merci à ceux qui m'insultent. Moi, je prie pour vous. Même si la justice veut faire ce qu'elle veut faire pour vous. Moi, je prie pour vous. Je ne suis pas là pour vous insulter. Moi, je ne suis pas des gens. Moi, je ne suis pas des gens. J'amène les gens à, n'est-ce pas, vivre leur vie. La méchanceté existe, la sorcellerie existe. Mon rôle, c'est d'éclairer les gens sur le phénomène de la sorcellerie. Je joue mon rôle. Chacun a son rôle à jouer sur cette terre. Chacun a un but bien précis. Moi, c'est mon rôle à moi. J'ai été victime de la sorcellerie. Pour moi, il ne faudrait plus que d'autres personnes soient victimes. Pour ne pas qu'ils soient victimes, il faudrait qu'on puisse leur donner toutes les informations sur la chose. Et ce qui est sûr, c'est que le diable ne peut pas combattre le diable. Les Américains, ils savent très bien, ils sont des croyants. Ils croient beaucoup à la Bible. C'est des chrétiens. D'ailleurs, même quand un président américain prend le pouvoir, il prête serment sur la Bible. Donc, les gens, ils savent ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Mais moi, je continue. Si vous voulez insulter moi, moi, je ne lâcherai pas ce combat. Personne ne pourra me distraire. Dites tout ce que vous pouvez faire. C'est parce que je vous dérange que vous m'attaquez. Mais maintenant, je prie pour vous. Parce que vous êtes manipulé par le diable. Il faut qu'il vous éclaire, que Dieu ait pitié de vous et qu'il vous éclaire un jour pour que vous puissiez connaître la vérité. Voilà, pour que vous puissiez connaître la vérité. Je suis de retour. Amen. Voilà, je suis de retour, très content de vous revoir. Nous allons travailler dans le sens de l'éducation. Bientôt la rentrée scolaire, on aura l'occasion de parler avec l'orphelinat de Divo. On aura l'occasion de parler avec beaucoup de nos soeurs et nos frères qui ont besoin d'être soutenus. Je viens avec beaucoup d'idées. Parce que quand on quitte l'église, là, tu as faim, il faut manger. Il ne faut pas rester là, Seigneur, tu es merveilleux, tu vas manger. Tu dois payer maison. Tu payes ça comment? Ce n'est pas la prière qui fait ça. Il faut avoir l'argent à les payer. Pour payer, là, il faut avoir quelque chose à faire. C'est tout ça qu'on cherche. Après l'église, on fait quoi après? Même si sorcier est chassé, mais tu manges quoi après? Donc c'est tout ça par la grâce de Dieu. Non, tout va bien par la grâce de Dieu. Je suis revenu en bonne forme. Merci. Les enfants se portent bien, vous portez très bien. Le travail va reprendre par la grâce de Dieu. Et il faut que l'Afrique soit développée. Ma prière, c'est de voir Divo développer. Je salue le maire Amédée. Je ne suis pas politicien, mais quand je suis venu, j'ai vu la route de Divo en train d'être arrangée. J'ai dit, gloire à Dieu. Amen. Voilà, gloire à Dieu. La route est en train de m'arranger. Il faut que l'Afrique se développe. Amen. On n'a pas forcément. Parce que quand vous quittez l'Europe, c'est trop joli. Les États-Unis, là, c'est grave. C'est un développement sauvage. Je suis à New York et merci au comité d'organisation. Ils m'ont logé à Manhattan. Demandez aux gens, Manhattan, c'est quel quartier? C'est-à-dire, c'est comme le plateau. C'est le plateau de New York. Vous avez Wall Street, vous avez Rush Cancer, ce qui est tombé l'immeuble, vous avez tout. Quand tu dis aux gens, tu es à New York, tu es à Manhattan, on te respecte. Parce que tout est cher. Ils m'ont logé pendant 3 semaines. Tous les soirs, me prenaient dans Hammer pour m'envoyer prier. Et beaucoup de musulmans, les pasteurs ivoiriens, ils ont boycotté ma croisade. Ouais, vas-y, je me fais un nom. Ils vont venir dans la salle. Quand il y aura beaucoup de monde, c'est ce qu'ils disaient. Parce qu'après, ils se sont confessés. Donc, ils ont dit aux gens, ne mettez pas pied. Mais qui est fou? Moi, je suis baillé par les sorciers. Toi, pasteur, là, tu ne pries pas pour moi. Qui est fou? J'ai compris, mais les gens sont cachés, sont venus. Chacun vit sa vie. La salle est remplie. Dieu m'a dit, fais encore notre programme. Parce que les gens appelaient pour dire, tu ne peux pas partir comme ça. J'ai fait notre programme. Il a eu assez de monde encore. Ce dimanche-là, c'est New York. C'est la première fois où les gens organisaient un Ivoirien. Pasteur, homme de Dieu, organise un programme où il y a beaucoup de monde. C'est New York. Donc les gens m'ont fait un soir pour dire, après ça, on a eu beaucoup de coups de fil. Les gens m'appelaient. Pour des programmes. Les gens souffrent. Ils ont des problèmes. Ils vont à l'église. Ils vont dans les coins. On ne prie pas pour eux. Et les gens, vous ne priez pas pour les gens. Les gens viennent et puis vous les empêchez de rentrer dans cette grâce, dans cette bénédiction de Dieu. Vous faites du business, vous êtes en train de délivrer les gens. Bon, gloire à Dieu. Quand quelqu'un est appelé de Dieu, là, vous ne pouvez pas empêcher cette tension. Vous ne pouvez pas bloquer cette tension. Gloire à Dieu. Il y a eu beaucoup de personnes à cette croisade. Moi, j'ai fait ce que je pouvais faire. J'étais convaincu que Dieu m'avait appelé d'être là. J'ai fini. Et puis, gloire à Dieu.
le Seigneur m'a permis aussi de rentrer à NASA où on fabrique fusées, beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup. Mon esprit est très ouvert. C'est vrai qu'il y a d'autres prophètes, mais il y a la connaissance même intellectuelle, il y a la connaissance des choses qui permet de comprendre beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. Et ça m'a rendu grand dans la tête. Mais je suis revenu à Divo. Comment développer Divo? Comment aider les gens? Dans la grâce de Dieu, tout va bien. Je suis très heureux de vous rencontrer. Que Dieu vous bénisse. Moi, je n'ai pas d'ennemi. Mon ennemi, c'est le diable. Celui qui veut m'insulter, qui m'insulte. Je n'ai pas obligé de croire, moi. Tu n'es pas obligé de croire, moi. Moi, c'est moi, Dieu a parlé. C'est pas à toi, il a parlé. C'est moi, Dieu a parlé. Chacun d'entre nous connaît mon histoire. Ils savent comment j'ai commencé à Zaroko. Ils savent ici. Ils savent comment je suis en train d'évoluer. Ils savent. Quelque chose, on dit, les gens ont dit, ils disent, si cette œuvre vient des hommes, ça va s'éteindre. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez pas l'empêcher. Aujourd'hui, c'est même pas un mystère pour moi. J'ai beaucoup d'états où je ne suis pas parti. J'ai refusé de voyager. Je dois encore voyager. Il y a plein de programmes en cours. Je dois voyager. Parce que les gens ont besoin de notre ministère. C'est nous, sa seule chaîne sur le YouTube qui a démystifié la sorcellerie. C'est nous, on démystifie la sorcellerie. Vous dites, sans rien. À quoi les mêmes défis? Quel sorcier qui est plus grand que Dieu? Il n'y a pas de sorcier qui est plus grand que Dieu. Il n'y a pas de sorcellerie qui est plus grand que Dieu. Voilà, il ne faut pas vous aller attribuer ce qu'on fait au diable. Je suis désolé. Satan ne peut pas faire ce qu'on fait. Satan lui détruit. Vous avez une fois vu quelqu'un qui délivre un sorcier, qui lui donne à manger et qui l'aide à avoir une vie meilleure? C'est notre ministère. Vous dites qu'on peut partir de l'état de la sorcellerie. Ce n'est pas une fée en soi. Si on est sorcier, on peut être délivré et puis servir Dieu. Dieu a besoin de mauvaises personnes pour les transformer. On n'a jamais excité les gens à la haine. C'est ce que les gens ont regardé. Comment je fais après la délivrance? Comment j'amène les gens à comprendre? Mais c'est tout ça. C'est le résultat de tout ça. Et puis c'est Dieu qui ouvre les portes. Donc si vous me combattez, mais j'aimerais que vous me combattez. Parce que quand vous combattez le Seigneur. Et je suis parti de rien. A dit vous, parce que j'étais convaincu d'être ici. Voilà, donc je suis parti, je suis revenu par la grâce de Dieu. Pour reprendre bien sûr le travail. Voilà, donc c'est demain que je vais travailler. Aujourd'hui, j'aurai des rencontres avec certaines personnes. Je vais à peine arriver. C'est demain que je vais reprendre mon service ici, par la grâce de Dieu. Amen. N'oubliez pas que j'ai fait 2 mois à l'étranger. Je suis aussi au salon, puis je dors. On me touche, je vous dis, va dormir. Tu es vaincu par le sommeil, allez, va dormir. France 24 me regarde. Moi, je regarde, mais la France 24 me regarde. On me touche, je vous dis, va dormir. La fatigue. Ceux qui ont suivi, j'étais en 2 avions. Quand vous réveillez ici, je suis obligé de me réveiller pour parler. Ah oui, c'était pas facile. Mais heureusement que je suis revenu en bonne forme. Demain, par la grâce de Dieu, on va reprendre le travail. Puis ça va partir comme ça, on va reprendre. Je suis là pour quelques temps encore. Parce que je dois aussi repartir au Canada. Mais je vais annoncer après le Canada. Je vais annoncer encore pour l'Europe. Ils ont besoin de nous. Franchement, ils ont besoin de nous. Je ne suis pas seulement d'aller à l'église pour être enseignant. Il faut que les gens soient délivrés. Il faut que les gens arrêtent de manger les gens. Il faut que les gens arrêtent de gâter mariage des gens. Il faut que les gens arrêtent de gâter leur société, leur travail. C'est ça, non? Chacun a son don. Si tu n'as pas mon don, il faut rester dans ton don. Il ne faut pas me critiquer. Il ne faut pas me critiquer. Chacun pour un mois. Tu me dis pourquoi? Chacun son travail. Toi, tu peux venir ici. Pour me critiquer, venez ici. Vous allez voir, les deux petits sorciers, vous allez voir si vous pouvez les gérer. Ils vont manger une sauce par là. Que Dieu bénisse. J'aime bien les jaloux. Quand les gens vous attendent, Dieu vous élève. Voilà, je suis très heureux de revoir la Côte d'Ivoire. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire d'être parmi les personnes qui viennent de l'Afrique centrale. Ils viennent de la Côte d'Ivoire, ils viennent de temps, ils viennent de temps. Monsieur, Madame Dosso, que Dieu bénisse. Meïté aussi, que Dieu bénisse. Merci aussi à toute cette équipe de New York. Donc le chef, Dougou Simeon, je dis merci aussi à Honoré Osso. Je dis merci aussi à Béatrice de Dallas. Je dis merci à Laurence, merci à toutes ces personnes. Je ne peux pas citer beaucoup de tous les noms, mais merci vous qui m'avez encadré, vous qui m'avez soutenu jusqu'à ce que je sois ici, par la grâce de Dieu. Je revois encore l'église, je suis vraiment content de revoir la Côte d'Ivoire. L'image de la Côte d'Ivoire est tellement allée très loin au travers de ce ministère. À travers notre ministère,
vraiment, l'église ivoirienne a de la crédibilité. Vous comprenez? Quand on parle de l'église, on sent qu'il y a des serviteurs de Dieu ici en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est déjà une fierté pour la Côte d'Ivoire. Gloire à Dieu. Nous voulons, notre ambition, c'est de construire un grand temple à l'image, n'est-ce pas, du Seigneur ici à Divo. De construire beaucoup de choses ici, d'aider les enfants, aller à l'école, d'aider nos jeunes sœurs, entreprendre, n'est-ce pas, des micro-projets. Parce que si nous voulons que les choses s'arrêtent, il faut que les gens aient de l'emploi. Et si les gens de l'emploi travaillent, les Américains, ils occupent, n'ont pas le temps de les critiquer. Quand tu es oisif, c'est là que tu as le temps d'aller critiquer. Lui, là, il marche comme ça. Lui, il n'a pas mangé, il est comme ça, il est vilain, il n'est pas joli. C'est quand tu ne travailles pas. Quand tu as travaillé, tu as qu'un problème. Tu te préoccupes le travail. Donc, c'est ça. Nous, aujourd'hui, Jésus-Christ n'a pas que délivrer les gens. Il a donné à manger aux gens. Jésus a donné à manger aux gens. Ça veut tout dire. L'Église doit vous donner de l'emploi. L'Église doit créer ça. Ce n'est pas forcément le riz qu'on fabrique. Jésus a fait le pain. Maintenant, on peut créer l'emploi. On peut créer les supermarchés. On peut créer des emplois pour vous embaucher, pour travailler. C'est de vous donner à manger. Voilà, donc, franchement, moi, j'ai rêvé avec des idées. Des idées, c'est-à-dire que l'Église seulement, l'Église ne doit pas être qu'on vous délivre seulement. Mais vous devez travailler. Si vous travaillez, il y a beaucoup de choses qui vont s'arrêter dans votre vie. Une fille qui ne travaille pas, elle sera prête. Quand elle va voir le biais violet, elle va partir. Le biais violet. Madame, s'il vous plaît, ça va? Oui. Des yeux vont clignoter. Tu vois Jésus en cliché. Tu vas voir Jésus, vous dites Jésus, je t'aime, mais après, je l'ai prié. Pardonnez ça. Mais le biais, il ne laisse pas le biais. Et ça fait une semaine, il n'y a pas mangé Jésus. Et pitié de moi. À cause du biais. Oui. Mais c'est vrai, l'argent, vous voyez là, tu n'as pas ça, tu es vaincu. Là, il n'est pas démon. Non, là, c'est pauvreté qui est démon. Est-ce que les gens comprennent? Là, il est bon. Si c'est démon, qui va avoir ça en poche? Qui va se. Là, il y a démon, nous on a ça en poche. Ah, tu fais ça? Là, il est bon. C'est pour ça que dans nos poches, dans nos comptes. Mais c'est la pauvreté qui est mauvaise. Quand tu n'as pas l'argent. Toi-même, tu deviens sorcier. Tu deviens sorcier. Tu réfléchis trop et tu as AVC. Tu montes dans la rue, boulou, t'es tombé. Tu as AVC. À quoi les penser? Du laquais veut t'encaisser 40 000 francs, tu n'as pas. C'est pas beaucoup, c'est 40 000. Et AVC, tu prends. Tu n'as pas ça guéri, 15 000. C'est pour ça qu'il faut que l'église, après avoir fini de vous délivrer, il faut penser à ça. Le pasteur ne soit pas tellement à changer les voitures et puis les chrétiens sont pauvres. C'est à tout ce que nous réfléchissons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sinon, les sorciers de la Côte d'Ivoire, le maréchal est de retour. Amen. Nous allons reprendre bientôt la tournée ivoirienne. Je vais reprendre la tournée. On a tous les appareils. Envoyez les appareils. Quand vous allez dire Alléluia, vous allez tomber dans les villages. On a tous les appareils. Je vais vous annoncer tout le programme de la tournée ivoirienne. Il y aura aussi une tournée africaine. Il y aura le Sénégal. Il y aura aussi la Guinée, Conakry. On sera aussi en Centrafrique. On sera aussi, n'est-ce pas, qu'on appelle Cameroun, pour la grâce de Dieu. Amen. Alors, dans cette année, on va beaucoup sortir. Mais on va travailler d'abord pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a les petits poches de résistance de la sorcellerie. On va attaquer ça un peu. Voilà, donc que Dieu bénisse. Amen. Et soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. C'était debout, je prie pour vous. Seigneur, merci. Je suis très heureux de revoir la Côte d'Ivoire. Merci, notre Dieu. Merci pour la reprise du travail. Il n'y a que toi seul qui peux me conduire, me diriger en toutes choses. Merci de bénir encore, Seigneur notre Dieu, mes différentes activités sur ce sort. Éternel notre Dieu, merci de nous restaurer. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Voilà, c'était les bonnes nouvelles des États-Unis. Oui, pour la tournée, en ce qui concerne la tournée américaine du maréchal de la brigade anti-sorcier, du responsable du ministère de la compassion des âmes. Amen. Amen. Chez nous, on dit, quand tu n'as pas. Quand tu n'as rien à offrir à la belle-mère, tu la portes au dos. Alléluia. Amen. Aux États-Unis, ils ont eu les limousines pour accueillir le prophète. Alléluia. Amen. Mais nous, ici, nous avons eu la fanfare. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
Alléluia. En tout cas, merci beaucoup à la fanfare, merci à toute l'église et merci à tous ceux qui sont venus aussi pour leur situation.